bonsoir tout le monde. Allez, on termine notre album aujourd'hui. Donc j'étais chercher la feuille qui me manquait pour pouvoir le terminer. Donc, alors, je vais d'abord enlever ça pour pas que ça me gêne. On va commencer par la déco de l'extérieur et après on va mettre les feuilles à l'intérieur. Donc ça va, ça a tenu, rien n'a bougé, donc c'est impeccable. Alors moi je vais faire sur l'arête, voilà, sur l'arête je vais mettre ce papier, voilà. Alors c'est du alors c'est une feuille de la marque Toga, hein, donc c'est la Haut Glitter, c'est une feuille adhésive glitter 30 par 30, c'est une 200 grammes, voilà, je vous montre. Donc là du coup j'ai pas besoin de mettre de colle et elle va faire l'arête ici sur le côté comme ceci, voyez. Donc je vais commencer par ça, ou alors je commence par ça. Réfléchissons bien. Est-ce que ça... Non, je vais commencer par... toujours changeante, hein, vous le savez, maintenant vous avez l'habitude. Donc on va commencer d'abord par ça, puisqu'elle est un peu plus épaisse. Non, je vais d'abord mettre ma première feuille ici. Donc mon crayon, faire une première marque. Voilà. Donc là pour le dessus, j'ai choisi celle-ci, hein, vous voyez, avec le papillon. Donc j'ai vu que voilà, ce matin je vous ai mis la vidéo de l'intérieur de la couverture, mais bon, il n'y a pas eu grand monde, je vois, mais bon. Alors là ça va nous faire 20,5. Voilà. Donc, je vais prendre mon scalpel. J'ai toujours pas changé ma lame. J'ai peut-être à changer. Si je l'ai sous la main. Non, merde. Ah, mince. Je ne l'étais pas sous la main. Bon, bah tant pis, je vais faire avec. Voilà. Et pour la largeur, on va vérifier. Alors, je vérifie que la hauteur est bonne. Et pour la largeur, donc il va pas falloir enlever beaucoup. Voilà. Ouh, j'ai mon ventre qui gargouille. Ah, il est midi et j'ai pas encore mangé, mais je mangerai après. Alors la largeur, je suis à presque 30, je suis à 29,8, voilà. Donc là j'ai laissé la petite bande en bas.
Voilà. Donc, par contre, ici, il va falloir finir la fermeture. Donc, comme j'avais dit, je vais devoir couper le bord, puisque je me suis trompée hier, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est bête, ça va aller dans le papillon, mais c'est rien. Tant pis. Donc, voilà. Alors, ma fermeture. C'est bien parce que j'avais mis dans une boîte tout ce qui était cabinet de curiosité. Donc, voilà. Et mes deux petites attaches. Donc, on va pas se tromper. Hein. Alors, je vais prendre mes pinces pour tenir. Puisqu'on va pas coller tout de suite. Voilà. Donc comme ça, ma feuille ne bouge pas. Et là, comme ça, je vais voir ce que j'ai besoin de couper dans ma... Alors, je vais peut-être prendre avec un stylo, je verrai mieux. Mon ciseau. Dommage, mais bon, quand on fait des bêtises, hein, faut bien réparer d'une façon ou d'une autre. Donc, maintenant, je remets, mon attache. Et ça y est, ma voisine crie encore sur ses enfants. Oh là 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 là. Elle n'a pas encore compris que plus elle crie sur ses enfants, plus ils feront exprès. Problème là dans le trou. Le trou était pas fini de percer. Voilà. Donc. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la tâche. Mon poinçon, mon petit plateau. Et voilà Fifi qui passe et qui va aller se mettre sur l'autre table. Voilà. Merci Fifi. C'est dommage que je suis obligée de faire mon papillon. Thank you.
Oui, on y sera venu à bout hein, de cet album. Je suis encore. Ce matin, je regardais dans les vidéos et c'est vrai que ça a duré quand même. Hein. Je mets un petit point de colle par sécurité. Voilà. Là, j'ai la tremblote. Donc pourquoi je fais comme ça? Ben, c'est pour pouvoir après bien fixer derrière les attaches hein, pour pas que ben, qu'elles partent et puis qu'on les voit pas. Ça glisse. Voilà, on a une de passée. Bon, ce matin, en allant à Cultura, c'était waouh! Ils ont mis tout ce qui était pour Noël. C'était chouette. Mais j'ai résisté. De toute façon, j'étais bien obligée, le porte-monnaie était vide. Donc, comme ça. Voilà. Bien, donc vous rappelez hein, ce que je vous ai dit hier, la tâche vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous souhaitez. Bon, Fifi, bouge tes fesses. Non, mais vous n'allez pas me dire, je coupe ta queue, hein. Tu veux que je coupe ta queue? Elle a même pas peur. Allez, mes mères, bouge. Bouge. Voilà. Va mettre une petite épingle sur la colle. Et voilà, donc comme ça, l'album sera fermé. Voyez. Donc maintenant, comme d'habitude, du double face. Toujours bien sur les bords. Bien, hier soir j'ai eu le temps de ranger ma table. C'est quand même mieux pour travailler. Fifi, qu'est-ce que tu me fais comme bêtise? Oh, Fifi! Bah oui. Elle veut grimper sur le meuble. Allez, bouge-le là. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place.
Elle essaye de passer où une souris elle ne pourrait même pas passer. Ah, donc là, j'ai enlevé celui-là. Ah, a pu. Bon, alors attendez. Je reviens tout de suite. Je vais reprendre un rouleau. Donc voilà. Remettre 2-3 dans l'autre sens. Hop là. Alors, on n'a plus qu'à enlever les protections. Vérifie que je suis bien. Voilà, c'est bon. Pourquoi je me colle les mains? Voilà. Maintenant, on fait l'autre côté, pareil.
là par contre, je vais retirer la bande en bas. Et on va donc j'avais dit 21. Voilà. Et pareil, hop, double face. Voilà. J'ai déjà tout enlevé, mais bon, ça ne fait rien. Fifi! Et voilà, on n'a plus qu'à coller dans le bon sens si possible.
Et voilà. Donc là, on a déjà nos deux couvertures de fête. Il nous reste à faire l'arête. Alors, pour faire l'arête, on va mesurer. J'aime bien ces feuilles là parce que ben justement elles sont autocollantes et elles sont hein, super belles. Bon, elles sont un peu plus chères, hein, normal. Je crois ben 21. Elles doivent être à 2,50. Attendez, je crois que j'ai encore mon ticket Cultura dans la poubelle. 2,59 €. Alors, il va me falloir. Donc là, ça fait 8. Et 4. 8 et 4. 8 et 4. 8 et 4, 12. Et 4, 16. Donc, je veux 16 cm. Alors, d'abord 21. J'espère que ça va aller. Et j'ai dit 16. J'ai pas dû compter 16 là. Ah, j'ai pas dû compter 16. Ben, si. Ah, c'est là que j'ai pas compté 16. Moi, j'ai pas l'impression d'être droite. Dites-moi pourquoi. Voilà. Nia, nia, les stylos, c'est à maman. Bon, là, c'est un tout petit peu plus dur à couper, hein, mais... Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Ouf. Parce qu'au prix de la feuille, là, ça ferait. Ce serait les boules. Voilà. Je vais me faire mes marques, par contre. Allez.
pourquoi je fais comme ça? Ben, pour être sûr d'être à mes 4 cm déjà. Moi comme ça. Fifille, oh là là, elle me stresse. Elle est en train de me stresser, donc ça va pas le faire. Voilà, maintenant je peux commencer à retirer le reste. Voilà. Et voilà. Yeah. Bon, ça c'est fait. Alors, vous rappelez, j'avais fait un petit trou pour mettre un bijou. Donc on va percer. Voilà. Pour que j'ai l'emplacement de mon bijou. Voilà. Donc là, on a terminé. Pas la grosse déco, hein, puisque ça c'est après. Mais on a fini de recouvrir notre album. Voilà. Donc, je vous remonte l'intérieur, hein, qu'on a fait hier. Donc après, je vais mettre plein de trucs. Hein, Maintenant, on va devoir mettre les pages. Et avant de mettre les pages, je vais passer la tige pour pouvoir fixer par la suite le bijou de l'album. Voilà. Donc je prends ma tige parce que je ne l'ai pas préparée, je suis désolée. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Donc voilà, j'ai été chercher ma petite tige. Donc, je vais d'abord la passer de ce côté-là. Alors, j'ai peut-être... Ah, attendez. J'ai peut-être... voyons dans ma boîte. Ma boîte. Je pense que je vais d'abord coller ça dessus. Voilà, comme ça. Donc, on va prendre la Glacy Accent.
vais mettre un petit peu là, un petit peu dans le trou. Ça colle. C'est pour ça, hein, la colle. C'est pour que ça colle. Et j'aurais peut-être mis une petite perle. Petite perle. Ici. Alors, mes toutes petites perles, je suis là, hein, je suis pas partie, j'aurais dû la préparer, désolé, et bien sûr, allez, tout dans le fond. Ça bouge. Peut-être mettre une noix. Donc pareil, vous voyez, là. J'ai une petite perle. Je vais mettre un peu de colle. Quand je fais ça, c'est pour pas que ça passe à travers. Excusez, alors je suis peut-être un peu hors champ là, désolé. J'ai mis mon trou. Voilà. Ah mince. Ça colle sur mes doigts, du coup, ça s'en va. Voilà. Donc il va falloir que ça colle. Voilà, vous voyez, là, voilà. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. Une petite pointe de colle. Je recoupe une seconde, ben, juste le temps que ça colle, parce que je ne vais pas vous faire attendre, hein, que ça colle, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mon attache pour le bijou est collée, elle tient bien, il n'y a pas de souci. Je l'ai, alors la tige est pliée à l'intérieur, elle est collée avec du double face, et j'ai remis, vous voyez, du washi dans chaque fente, voilà, donc j'avais une déco en plus, et au moins ma tige tient bien, elle ne bougera plus, voilà, et donc voilà, et ben maintenant on peut attaquer les pages, donc ça on va remettre après. Alors, ce qu'il faut, c'est les mettre dans le bon ordre. Hein. Donc ça, je vous rappelle, c'était la page 1. Voilà. Donc, il va venir ici. Ça, c'était la page 2. Donc, qui, elle, va venir comme ceci. La page 3. Qui viendra là. La page 4,
matériel viendra là, bien sûr. La page 5. Alors, la page 5 qui viendra, que je ne me trompe pas. Alors, attends. Oups, parce que ça a bougé. Bon, enfin, qui viendra à la suite. Voilà. La page 6. Voilà. La 7. Et la 8. Voilà. Donc, on va déjà s'occuper de la page 1. Donc, la page 1 et 2, elles vont être collées entièrement. On ne va pas mettre de tag. Parce qu'il faut que je vois aussi avec l'épaisseur. Hein, voilà. Donc, on pense là à bien mettre sur les bords hein, comme d'habitude. Là, je vais quand même en remettre, malgré qu'il y en a déjà, voilà, malgré qu'il y en a déjà sur la charnière. Mais on l'enlèvera après. Donc là, je vais enlever celle du milieu, comme d'habitude.
Donc là par contre j'ai fait un petit entaille parce que je veux pas l'enlever jusqu'au bout tout de suite. J'aurais dû mettre tout du long, mais c'est rien. Donc, on vérifie bien qu'on est dans le bon sens, hein. Donc celui-là, on ne l'enlève pas maintenant. Donc celui-là, on fait attention qu'il ne s'enlève pas jusqu'au bout, voilà. Pareil pour celui-là. Et je prends ma page 2. Et on va les mettre bien l'une sur l'autre. Bien droite. Voilà. Et là, j'espère que je n'ai pas fait de boulettes. Donc là, on va enlever les protections qu'on avait mis auparavant. Le plus dur, c'est d'enlever la boulette sans coller. Pas beaucoup de lumière, alors. Et puis je sais pas si vous allez bien voir, c'est ça le souci. Et voilà, j'ai pas encore éteint mon téléphone, comme d'hab. Voilà, ma première page est mise. Voilà. Et, hop. Et elle reste bien plate Voilà. Donc ce que je vais faire, parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, je vais préparer, mettre le double face sur toutes mes feuilles. Hein, déjà ce sera beaucoup moins long pour vous. Une fois que tous les doubles faces sont mis, je reviens vers vous, on colle tout ça ensemble et puis voilà, hein. Alors à tout de suite. Donc voilà, pour avoir un petit peu d'avance et que vous n'ayez pas une vidéo trop longue, comme je vous ai dit, j'ai mis le double face sur mes pages et j'ai donc collé les trois premières
Voilà. Donc en plus, vous voyez, comme ça, on voit le washi. Donc ça fait... Voilà. Et les pages se mettent bien à plat pour les voir. Donc là, c'est là où il y a la tige. Voilà. Par contre, ça s'était un petit peu décollé, donc j'ai remis de la colle. Il faut juste que ça... le temps que ça se recolle. Voilà. Donc du coup, je vais faire avec vous... je vais refaire avec vous la dernière pour que vous voyez bien. Alors, je voulais faire des ouvertures pour passer des tags, mais mes pages sont beaucoup trop lourdes. Ça fait beaucoup de trop. Donc, si jamais vous voulez en faire, bon, vous collez les deux grands côtés, le côté qui va aller sur la charnière, et vous laissez ouvert devant, et vous pourrez glisser un tag. Voilà, tout simplement. Donc là, on va enlever le papier. Le premier, j'avais enlevé les deux côtés, mais c'était plus compliqué. Alors, on enlève le papier que d'un côté de la charnière. Voilà. On va glisser la charnière. Alors, là, moi, il y a du papier. Donc, vous voyez, hop, 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 que d'un côté, hein, du papier, du double face. Donc, on va mettre le côté où il n'y en a pas, ben, là où ça colle pas. Hein. Mais on n'oublie pas, comme moi, d'enlever le double face. La protection plutôt. Parce que sinon, ça collera pas. Voilà. Donc, vous mettez d'abord du côté que ça colle pas. Voilà. Et ensuite, vous enfilez votre page. Et vous faites pour qu'il reste 5 mm à peu près. Il ne faut pas la coller au bord. Hein. Voilà. Il faudrait que là, vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Vous voyez, il reste entre le bord et la charnière. Ah, j'arrive pas à voir. Voilà. Entre le bord ici et la charnière, il y a 5 mm. Hein. Faut pas me coller la page au bord de la charnière. Donc, on appuie bien. Voilà. Et il vous reste plus qu'à décoller le double face de l'autre côté, bien sûr. Si j'y arrive. Oh, ce double face. Voilà. Donc là, vous allez tenir votre page droite, comme ceci, et passer la main à plat les deux côtés pour que ça colle bien. Et voilà, et votre page est fixée. Et elle est bien à plat quand vous voulez regarder l'album. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, nos pages sont collées. Ouf! N'est-ce pas? Alors, je vais remettre parce que mes tags étaient partis. Voilà. Donc voilà, notre album est fini. Il ne reste plus qu'à faire la déco. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même une belle épaisseur. Hein, voyez. Et pour fermer, c'est tout simple. Voilà. Donc, je referai des photos pour que vous voyez mieux. Donc, maintenant, on va faire la déco de la couverture. Alors, je débarrasse un petit peu. Hop. Donc, pour pas que les coins s'abîment, je vais mettre des angles en métal. Donc, je les avais trouvés au salon à Carvin, quand je suis allée avec Coco. Voilà. Et je les ai pris tout de suite parce que c'est des grands. Et moi, j'ai pas des très grands comme ça. Donc, je vais juste voir si c'est bon. Donc, je vais juste...
les écarter un tout petit peu pour pouvoir bien rentrer, sinon ils vont très très bien. Voilà. Voilà. Ils vont nickel. Oh là là. Je l'ai fait tomber. Voilà, regardez. Vous voyez? Et ça, ça empêche que bah, l'album s'abîme. Hein. Donc là, bon, il faut. L'idéal, c'est de mettre un petit point de colle. Mais là, moi, ils ont l'air de bien bien tenir. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais les resserrer un peu à la pince après. Alors, ma pince. Un petit coup de pince. Donc bien sûr je vais en mettre sur les quatre coins hein. Donc ça vous n'êtes pas obligé non plus, mais bon c'est mieux pour pas que l'album s'abîme sur le temps. Que les coins c'est ce qui va s'user le plus vite. Voilà, et on va en mettre sur ceux de derrière bien sûr. Voilà. En plus, ils sont super beaux, j'aime bien. Voilà. Voilà, mes coins sont mis déjà. Au moins, mon album est protégé. Donc, ça, c'est ma fermeture, hein, comme on avait fait. Maintenant, je prends ce qu'il me faut pour faire la déco dessus et pour faire le bijou. A tout de suite.